lapis rouge. Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Il me l'a passé cet imbécile. Mission accomplie, nous avions que vous n'étiez pas le seul dans la galaxie, des restes d'une civilisation disparue, des drones ennemis, des grogs. Il est évident que nous devons continuer à explorer la galaxie et même à nous préparer à des hostilités. Pour cela, nous aurons besoin de colonies qui serviront de base de lancement. Nos scientifiques étudie déjà le moteur interstellaire pour en copier certaines trouvailles. Nous avons également mis au point un détecteur SETI qui permettra à votre soucoupe de détecter les signaux en provoquant d'autres formes de vie intelligente. En provenance d'autres... je commence à fatiguer. De vie intelligente de la galaxie, ces signaux apparaissent sous forme d'ondes radio côté des étoiles que vous visez. C'est vous qu'il nous faut aux commandes du programme spatial, capitaine. Nous devons étendre notre empire et notre richesse en établissant des colonies sur d'autres planètes et en y exploitant ces ressources. Nous avons une liste de volontaires prêts à accompagner l'outil Colonie Express disponible parmi vos outils colonisation. Nos astronomes observent les cieux depuis longtemps et estime que la planète Anzino conviendrait parfaitement. Parfait. Implanter une colonie, c'est facile. Allez d'abord jusqu'à la planète Anzino. Sélectionnez l'outil, ajoutez à votre outillage la colonisation et poser la colonie à terre ferme près d'un gisement d'épices. Il se déploiera instantanément pour créer une colonie. Pas besoin de le monter vous-même. Établissez ensuite le contact avec vos colons pour vous assurer que leur installation s'est bien passée. Oui, capitaine, comment pouvons-nous vous aider? Alors, on répare. Ravitaillement, pour l'instant, ça va. Commerce. Commerce pour 0G sauve, je le prends. Ça, c'est quoi, Colonie Express? Terra coloriage, c'est quoi ce truc encore?
Bon là j'en ai 10, ça peut me permettre de faire des affaires. Surtout pas. Ah bah c'est capitaine, on va voir si vous avez quelque chose pour nous. Ok, bon allez c'est parti. On est plus tranquille. On sait que notre planète est bien gérée. Bon, là qu'est-ce qu'il faut faire? Placer une colonie planète en rhino. T0, une T1, la T3 c'est nous qui l'avons. Ça c'est quoi? Bon, allez, on est parti. Utiliser les filtres de cartes célestes pour mieux naviguer dans la galaxie. Filtre mon empire. Affiche toutes les étoiles détenues par votre empire. C'est où ça? Carte céleste. Utilisez les filtres mission pour voir quelles sont les étoiles où vous avez une mission en cours. Les filtres itinéraire et visite vous permettent de voir par là où vous êtes déjà passé. Donc là, mon empire. Allié ennemi. Empire. Mission. Itinéraire. Visibilité. D'accord, donc ça on sait qu'on est déjà passé par là. Est-ce qu'on peut enregistrer là? Les planètes sur les orbites vertes sont plus faciles à terraformer et à coloniser que les planètes sur les orbites rouges ou bleues. Alors t'as quoi ici? Ici t'as une T0, une T0, une T0, ils se foutent de moi ou quoi? Y'a que du T0? Mais c'est quoi ce système solaire de merde? C'est un caillou ton truc? Oh le truc de naze! Non, par contre il y a de l'épice. Donc ici. Colonie Express. Est-ce qu'il n'y a pas un coin où c'est plus rapproché là? Ouf, cette vache, c'est pas passé loin.
à un cratère. Est-ce qu'il n'y a pas un coin où il y aurait trois... Ici. T'es pas loin de tout. Félicitations, vous avez étendu votre empire. La productivité de chaque colonie est fonction de sa taille. Et sa taille est fonction de l'indicité de la planète. Commencez par terraformer, puis ajoutez des colonies et des bâtiments pour tirer les meilleurs bénéfices. Ouais, il est bien au milieu de 3. Alors moi je veux bien... Hop. Allez, c'est bon, c'est parti. Je peux rien faire. Quoi? Ah, il va te falloir tout reprendre. Rentrez chez vous. Ouais, bien sûr. Maintenant que t'as posé un truc en plein milieu de nulle part, en plus sur la planète la plus pourrie, il y avait des T1. Ah non, c'est que des T0. En fait, c'est le système le plus pourri qu'on aura jamais vu. Prochaine fois, je les écoute pas. En plus, d'aller se foutre là-bas alors que t'as des trucs plus proches. Un parsec. T'es à 2,71 parsec. Qui t'a commencé? Il n'y avait pas une autre planète ici dans le système? Vous avez récolté de l'épice, l'épice et matière première. Recherchez, importez-en de vos colonies à votre monde d'origine à chaque visite. Ok. Seulement je voudrais savoir comment j'ai récupéré de l'épice alors qu'en gros la colonie elle est pas opérationnelle. Une fois encore, excellent travail, capitaine. Un jour, notre empire dominera la galaxie. Ouais, surtout avec tes T0. Nous comptons sur vous pour visiter souvent cette colonie pour en ramasser l'épice qu'elle produit. Faudrait peut-être déjà qu'elle soit opérationnelle. Nos scientifiques mettent au point de nouvelles technologies pour relever l'indicité des planètes, ce qui un jour permettra d'améliorer les conditions de vie de notre nouvelle planète coloniale. D'ici là, nous avons d'autres affaires urgentes à régler. Êtes-vous prêt? Capitaine, nous avons intercepté des transmissions qui proviennent de formes de vie intelligente de la galaxie. Allez mener l'enquête, tentez d'établir un premier contact avec eux. Utilisez le détecteur SETI qui équipe votre soucoupe et trouvez-les. Accepterez-vous cette mission extrêmement importante? Bien sûr. Votre vidéo portée, c'est équipement de détecteur universel qui permet de communiquer avec n'importe quelle race étrangère.
Vous devrez vous rendre dans leur système stellaire pour communiquer avec eux. Nous n'avons pas pu baliser avec précision la provenance de ces transmissions. Il va falloir que vous meniez l'enquête. Allez dans l'espace interstellaire et sondez les étoiles qui répondent à votre détecteur SETI. Les ondes radio et les signaux audio sont des indices sans équivoque. Le vol spatial risque d'endommager votre soucoupe. Rentrez chez vous pour le réparer et alimenter quand il le faut. Ou pour consulter le planning des autres missions du programme spatial. Ok, je comprends. Nous attendons votre retour aussitôt le contact établi avec les étrangers. Bonne chance dans vos recherches. Juste avant. Ah bah là on est bon, je comprends pas pourquoi tout à l'heure on n'était pas bon. Allez, on se casse. Ok. Alors là j'ai besoin de... Ça c'est quoi ? Elle est là parce qu'il y a un truc qu'il faut que je vérifie avant. C'est un truc que j'ai pas compris. Bah, je peux rien faire. Hein. Alors, mes respects capitaine, votre colonie de la planète Anzino est opérationnelle. C'est un plaisir de vous parler directement. Oui, capitaine, que pouvons-nous faire pour vous?
les payes combien? 281 seulement? Ouais, tu peux toujours te faire voir. The kayak, Neskablen, Rubric Ukubutrasim, et Skluvlen. Prêt à donner un coup de main à la colonie de la planète Anzino, capitaine. Voyons cela. Je recherche une quête, quelqu'un qui a une quête pour moi. Des animaux touchés par une épidémie attaquent notre colonie sur la planète Céved. Il nous faut votre aide. Sur la planète Céved, vous trouverez des animaux. Ces animaux laissent des traces lumineuse face facile à repérer, tuer les toutes sans toucher au bâtiment. Aux animaux et aux autochtones. L'étoile s'appelle Oboran. Planète Céved se trouve non loin de là. Alors Oboran Céved. Vite capitaine, il faut faire vite, vous n'avez que 15 minutes. Ok, c'est juste là. Céved, c'est où Céved? Ah ben en plein dessus. Le radar de la soucoupe indique quelque chose. Une planète sauvage peuplée de créatures et de plantes qui vous permettront de propager la vie sur d'autres planètes. Les planètes sauvages regorgent d'épices et peuvent servir de base aux colonies. C'est nous ça? On voit rien.
pas d'autres bestioles? Une paire, ça me permettra de coloniser avec des congénères. Parce que là, ce que je vois, il n'y a que nous. Ce qui me va. Ça devrait nous aider. Donc c'est Sevel. Sevel te permet automatiquement. Ok, allez, c'est parti. Excellent travail, comme toujours, nous avez une belle réputation dans nos colonies. Si je ne me trompe pas, vous deviez recevoir 25 000 Sport 12. C'est bien cela. C'est toujours un plaisir que de faire affaire en toute confiance. Alors ça certainement pas. Nakayak, Neskablen, Rubrik Ukavu Trotsum, et Shkluvnev. Votre colonie à planète Anzino est toujours reconnaissante quand on vient l'été. Voyons voir. Fire! Désolé, je n'ai pas de mission. Non mais tu vas pas me dire que je vais réussir à faire le tour sans l'avoir, le blanc. C'est quoi comme terre? Ah c'est une T0 en fait. Ouais donc là je peux rien faire. Si je pose quelque chose, je le tue là. Donc ça sert à rien. Pour l'instant j'ai pas. On va aller faire l'autre mission. Parce qu'on est obligé. Parce que si on le fait pas, on n'aura pas ce qu'il faut. Alors ici. Thank you.
Oh, t'as une T2 là? T0, T1. Ah, il est mort. C'est pas viable. Bah pourquoi c'est pas viable? Désolé. Introduction d'animaux. Vous avez stabilisé l'atmosphère et la température. Notez que la plante que vous avez introduite ont été ajoutées à la chaîne alimentaire. La planète peut désormais accueillir la vie animale. Pour compléter la chaîne, introduire dans cet ordre des herbivores et des carnivores. Il y a déjà des vies, bonhomme. Je ne comprends pas. Le carnivore, je vais le foutre après, hein, parce que... Carnivore, vous savez qui je vais prendre. Un carnage. Tu survis là ou pas? Il a l'air qu'il survit. Alors évidemment, j'ai plus du tout.
Ok. En vrai, il y avait des animaux aussi dans le secteur. C'est quoi, c'est un herbivore ce truc là? C'est quoi, c'est de l'herbivore ou... Pleine, ok. Je vois pas ce que je fous là. Ok, c'est pas ici. Thank you.